Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bande de Gnabis au Barbolingo, nous sommes attaqués par. Nous ne sommes pas attaqués, nous sommes en tristesse parce que le volcan Nyamulagira s'est révolté, il est en éruption. Voilà. Nous avons là-dessus un audio en direct de Goma que vous pouvez entendre d'un de nos correspondants. Sur place. Nous avons également un audio du gouverneur du Nord Kivu qui s'est adressé à la population. Nous avons également quoi? Oui, nous avons une image vidéo là-dessus que vous allez entendre. C'est en swahili. Bon, ceux qui comprennent le swahili peuvent traduire pour les autres. Mais j'ai confiance. La majorité des Congolais comprennent aussi le swahili, même sans le parler. Voilà, chers compatriotes. Nous allons passer d'abord à l'audio. Et comment est-ce environ d'être calme? Allô, bonjour. Salut, salut. Ah oui, il paraît que il y a eu éruption du volcan Nyamulagira là-bas. Toi qui es à Goma, qu'est-ce que tu en sais? Oui, oui, bon, il y a eu éruption du volcan, bon, on est là, bon, et on est en train de se dépêcher vers Bujimba. Vers comment? Je suis à Bujimba. À Bujimba. Je suis à Bujimba vers Sac. Oui. Je vais informer seulement les colonels commandant la ville. Je suis à Bujimba avec ma famille. Ah oui, c'est pour éviter le volcan. Là-bas, la lave et les fumées, ça n'arrive pas là-bas? Non, c'est pour se dépêcher. Donc, on tente seulement, mais on n'a pas la vraie direction où est-ce que ça peut passer, mais c'est, en tout cas, c'est un peu sécurisant et c'est un peu rassurant, oui. Ah oui, d'accord. Tu n'as pas quelques photos à m'envoyer? En tout cas, j'ai quelques photos, je vais vous envoyer tout de suite même. D'accord, merci, j'attends beaucoup. Je t'ai envoyé un message en privé, hein. Mais là, je suis en direct, donc je voulais être sûr, comme tu es sur place à Goma. Tu dis que tu n'es plus à Goma, tu es en déplacement, en fuite, quoi. Oui, je me suis déplacé à quelques kilomètres de Goma, mais c'est pas tout à fait loin. Je vais monter un peu sur la montagne, je vais vous montrer et peut-être vous aurez des images très claires. Ok, monsieur Raymond Tahiré Banzab, donc j'attends tes photos. Merci d'avance, hein. Merci beaucoup et merci à tous nos confrères qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup. Ok, de rien. Voilà, chers compatriotes, Boyo Kasikoyo. Audio, il y a Maloba, il y a gouverneur militaire, il y a Nord Kivu. Azali, qu'on s'adressait, et pas population, pour pas paniqueter, à l'obi. Bah, maladie, hôpitaux. Voilà, ensuite, nous vous montrons les images qui viennent de Goma. C'est triste, chers compatriotes. Les instructions des services de la protection civile. D'après les
gouverneur militaire de Nord-Kivu, François Elvina, le volcan Minera Gongo est entré en éruption depuis 19h de ce samedi 22 mai 2021. Le service volcanologique de la protection civile confirme l'éruption du volcan Minera Gongo depuis ce 22 mai 2021 vers 19h, déclare-t-il dans un message adressé à la population du Nord-Kivu. Il précise que les investigations sont en cours et demande à la population de suivre les instructions des services de la protection civile. Les investigations sont en cours et la population doit suivre les orientations des services provinciaux de la protection civile selon le plan de contingence en vigueur, dit-il. Constant Ibima appelle enfin la population au calme en attendant la précision sur les élections sécurisées. J'appelle la population au calme de suivre les instructions du coordonnateur provincial de la protection civile et les orientations de la police et des FARDC sur le terrain. Le coordonnateur va donner d'autres explications à la population pour les canaliser vers les élections qui seront sécurisées, a-t-il annoncé. Bienvenue et nous à cette prospect. Goma. Goma volcan à Tomboka. Hey, ni moto va toquer un bili, ma touche ni moto à nini. Mba tu as ma ken ni volcan. Ni moto a mingi sana kabisa na tokea kule kilima volcan. Mpasa hii Goma ni panike kabisa, hakuna mwanashua kani nini. Me ni moto a mingi kabisa. Na watu wamesha kosa amani kabisa muvila, tujue kaa ni moto a nini. Me espero ke isikuwe volcan juu. Ni moto a tro sana kabisa. Serogizi na jiongoza iko naenda Rwanda. Juu nimeongea toko Kibati. Banambia Kilimanyoka, deje mevuka barabara imeenda ngambo ya Rwanda. Natoko tunako etashi deja jere. Njoi deje naenda Rwanda. Sikia huko. Mungu alisema watu waenda kwa maskini ya kushtukia. Eh bwana ndio furgo na tumoka lakini kunaenda ngambo ya Rwanda, iko naenda ngambo ya Rwanda, iko naenda ngambo ya Rwanda. Imevuka deja Kilimanyoka imeshuka muri mu Rwanda ndani. Njoko inaelekea. Thank you.